Non, pas de problème. Non. Écoute, jamais le loft n'a été aussi paisible. À part Mélanie, qui vient laver son linge sale en famille. Bah oui, sa machine à laver est encore en panne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, ça doit être mon client, faut que je te laisse. Hein? Je t'embrasse, à plus tard. Allez, ciao, ma belle. Oh, t'es-tu contente? Eh oui, c'est moi. Je vois pas ce qu'il y a d'étonnant, ma petite Kalinka. Karina. Oh non, non, on va pas commencer à jouer sur les mots. J'ai pas le temps, là. Vous allez bien? Bien, bien, mais je vous croyais à Hong Kong. Eh ben, moi aussi. Mais figurez-vous que sans m'en rendre compte, j'ai pris le ferry pour Macao et dans la foulée, l'avion pour Paris. Oui, je vois, oui. Mon frère n'est pas là? Ah non. Non, Chonchon n'est pas là pour l'instant. Et Hélène est en voyage d'affaires en Hollande. Ah, je suis désolée. Mais pourquoi? C'est formidable, au contraire. Entre nous, hein, Hélène et moi, c'est pas le Nirvana. Et puis, comme je ne reste que 2-3 jours, je vais pouvoir m'installer dans sa chambre. Pas parce que vous croyez que... Bien sûr, mais c'est le plus simple. Non, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas comme Chonchon qui s'incruste chez les gens sans leur demander leur avis. À propos, il ne vous gêne pas trop? Oh non, c'est habitué, non, oui. Il ne nous dérange pas, lui. Ah ben tant mieux. Écoutez, il faut que je vous laisse parce que j'attends un nouveau client, le père d'un copain d'Igor. Ah, ne vous dérangez surtout pas pour moi. Faites comme chez vous. Oui, mais il faut que je prenne soin de lui particulièrement parce que vous comprenez, c'est un personnage important, c'est un commissaire de police. Eh bien, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Je repasserai plus tard. Ah, c'est mon commissaire. Oh non, 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 il ne manquait plus que ça. Oh. Ah, mais tiens. Ni vu, ni connu, un couche tambouille. Bien malin, celui qui ira les dénicher, là. Commissaire, je vous présente... Une amie. Une amie de passage. Excusez-moi, je suis très ennuyée. Enchantée, madame. Enchantée. À plus tard, ma Vina. Excusez-moi, commissaire, je suis à vous dans 2 minutes, mais avec toutes ces visites, j'étais un petit peu retardée. Je vous en prie. Prenez votre temps, hein, je suis là pour me détendre. Oh, mais vous avez un piano. Alors, ça, c'est formidable. Vous avez en jouer? Oh, un tout petit peu. Hein. Vous savez, dans la police, on n'est pas uniquement des spécialistes du violon. Dites-nous, il a un drôle de son, votre piano, vous ne trouvez pas? C'est à cause d'Igor qui le massacre. Oh, mais dites-donc, à ce point-là, il doit marcher sur le clavier, c'est pas possible, vous entendez ça? Il y a des cordes cassées, c'est incroyable. Ah, ben non! C'était ça, tiens. Bonjour, monsieur. Tiens, bonjour, Igor. Comment vas-tu, mon bonhomme? Bah, j'ai encore perdu toutes mes billes contre votre fils. Ah, ben, ça, c'est normal. C'est moi qui lui ai appris. Mais t'auras pas tout perdu. Regarde ce que j'ai retrouvé. Et c'est pour toi. Oh, merci, monsieur. Mais il n'y a pas de quoi. Ah, Igor, t'es là. C'est bien. Voilà, je suis à vous. Eh ben, allons-y. Dis donc, Igor, t'es comme les écureuils. T'as des petites cachettes un peu partout. C'est formidable. Allons-y! Tu t'es vraiment battu contre des bandits chinois? Non, pas folle la guêpe. J'ai joué au poker avec eux. C'est différent. Et je peux te dire qu'avec moi, ils étaient sur le grill. Oh, quelle surprise! T'es à Paris, cocotte? Mais non! Je suis encore à Hong Kong. Ça se voit pas? Sacré Chonchon, toujours le mot pour rire. Allez, viens, je t'embrasse. Alors, ton voyage en Chine, ça s'est bien passé? Pas terrible. Elle s'est battue contre des bandits qui torturent. Qu'est-ce que c'est que toutes ces salades? Igor en jolive, c'est tout. Il faut que je te parle. Bon, Igor, tu veux bien nous laisser, mon canard? Je te donnerai un coup de main pour tes devoirs plus tard, hein? Alors, c'est très simple. Je t'explique. Avant-hier à Macao, j'ai joué au poker avec M. Wong, un des chefs de la mafia chinoise. Et figure-toi
que j'ai eu une chance inouïe. Je lui ai gagné plus de 10 000 dollars dans la nuit. Et alors? Et alors, comme il n'avait pas les bifetons sur lui, il m'a confié un lot de perles pour qu'à Paris, son cousin, Monsieur Chang, me les reprenne au même prix. Mon Chang? Ça me paraît louche, cette affaire. Elles sont sûrement fausses, tes perles. Non, mais c'est toi qui as tout faux. J'ai fait une super affaire. Je les ai fait expertiser. Eh bien, crois-moi si tu veux, ce sont des perles noires d'Okinawa. Et chacune d'elles vaut au moins 10 000 dollars. Et j'en ai 3 douzaines. C'est pire que ce que je pensais. Mais t'es inconsciente ou quoi? Mais ils se sont servis de quoi pour faire un trafic? Ton monsieur Wong, là, il a fait semblant de perdre. Tu t'es fait pigeonner. Oh ben ça, ça m'étonnerait. C'est moi qui les perds, le Pat Chang. Eh ben crois-moi, il va les payer le prix fort. D'ailleurs, je vais te les montrer. Ah, accroche-toi bien les mirettes. Elles sont magnifiques. Non mais je rêve. Tu les as amenées ici? Ben évidemment. J'allais pas les laisser traîner n'importe où. Mais tu ne te rends pas compte que tu nous as mêlé un trafic avec la mafia chinoise? Ne me dis pas que tu as les chocottes. Ça risque rien. Je les ai bien cachés. Tiens, tiens. Oh. Ça alors? Je suis pourtant sûr que je les ai planqués là. Ouais. Elle est à peine arrivée. Les ennuis commencent. Cocotte, je viens de voir Igor, il m'a juré qu'il n'arrive pas de toucher au piano. Tu es sûr qu'il ne te ment pas? Ah non, je t'interdis de dire ça. C'est mon petit-fils. Justement. Ah non, tu vas pas recommencer, hein. Il a dit la vérité. C'est peut-être Karina. Bonjour, c'est moi. Ne vous dérangez pas. Je viens juste rechercher mon linge. Elle est très très bien, votre machine à laver. Écoute, questionne Karina. Moi, je viens d'avoir une intuition. Karina, je voulais vous demander, vous n'avez pas fait le ménage cet après-midi? Non, pourquoi? Ça en a besoin? Ah non, non, je disais ça comme ça. Vous n'avez pas touché au piano? Je ne sais pas pourquoi j'y toucherais. Non, il est propre, non? Quoi? Vous m'accusez? Mélanie, qu'est-ce qui se passe? Madame Cocotte vient de m'insulter gravement. Mais non, non, c'est une méprise, voilà tout. En 30 ans de BTT, moi qui n'ai même pas volé un seul timbre, on m'accuse d'avoir volé un piano. Oh, Jean! C'est bien parce que c'est votre sœur que je ne vais pas chercher mon Fernand. Et vous, mais vous, je vous retire mon bonjour. Bon, qu'est-ce qu'elle est susceptible, je comprends pas. Hein. Je lui ai posé une toute petite question anodine. Mais pourquoi t'as accusé Mélanie? Écoute, Chouchou, ces perles ne se sont pas envolées toutes seules. Il y a forcément quelqu'un qui ment. Et c'est peut-être toi. Qu'est-ce qui me prouve que t'as dit la vérité? Quoi? Tu oserais m'accuser, moi? Ta propre sœur. Et alors? J'ai jamais vu tes perles, moi. Nos perles. Comment ça, nos perles? Ah ben oui. Fallait que je donne une adresse, alors j'ai donné la tienne en disant qu'on était associés. Quoi? Mais t'es complètement cinglé! Non mais fallait bien que je dise quelque chose. Le frère et la sœur, là. Vous avez pas commencé à vous chamailler, non? Ça va bien maintenant. D'ailleurs, à propos de piano, faut penser à faire réaccorder celui-là. Parce que le commissaire en a joué cet après-midi, il a dit qu'il était complètement fou. Le commissaire? Tu te rends compte? Il y a à peine 2 heures que t'es arrivé, on a les flics aux fesses. Ils t'ont sûrement repéré dans l'aéroport. Bon sang, mais quelle nouille! Mais tu as raison. À coup sûr, les poulets ont organisé une souricière pour me coincer ici. Et encore, c'est rien à côté de ce que risque de nous faire Monsieur Chang. Oh là! Leur fichu dans le boulot, je peux plus avaler. Qu'est-ce que vous complotez tous les deux? Non, rien, rien, mon bonhomme. Oh, mais tu le connais, il est tellement émotif. À chaque fois qu'il me retrouve, c'est pareil. Ça lui fait un choc. Ah, ça pour un choc, ça me fait un choc. Voilà, c'est prêt. Mmh. C'est quoi? C'est un gratin de coquille Saint-Jacques, surgelé, importé directement de Chine. Ça y est, ça recommence. Dites-moi, ma petite Karina, le commissaire que vous avez reçu cet après-midi, il venait pour quoi, exactement? Eh bien, il venait pour une séance de relaxation. Vous savez, il fait un métier très stressant. Ah bon? Et pourquoi? Cocotte, arrête de poser une question à Karina.
Évidemment, ils sont stressés, ces gens-là. Les PV, les voitures mal garées, les plaintes. Oh là là, c'est pas du tout ça, Jean. Ils s'occupent que de banditisme et de trafiquants. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bon? Non, mais laissez le poisson, Jean. Mangez que le riz, si vous n'aimez pas. Non, vous êtes gentil, sans façon. Ah, vous savez, il n'a pas changé, hein. Et depuis tout petit, il chipotait sur la nourriture. Ah. Bon, ben, on va pas passer la soirée là-dessus, hein. Parlons d'autre chose. Oui, t'as raison, Tati. Hein? Alors, les Chinois, qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils ont mis des allumettes enflammées sous les ongles? Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire affreuse? Excusez-moi, je sais pas ce que j'ai vu. Je me sens pas bien. Bah, ça peut pas être mon plat, il a à peine goûté. Oh, vous savez, ma petite Marina, hein, avec le surgelé, une seule bouchée peut suffire, hein. Hop et clip. Allez, debout, Jean-Jean, c'est l'heure d'aller à l'école. Viens voir, Karina. J'arrive, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais où il est? Ben, qu'est-ce qui vous arrive? Ben, rien. Je viens de découvrir le pelochon à votre place. Mais qu'est-ce que ça signifie, Jean-Jean? C'est une blague ou quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'ai dormi dans la salle de bain, c'est tout. Mais pourquoi? Ben, parce que c'est plus sûr. Enfin, je veux dire, c'est plus confortable. Et puis, il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre qui donne dans la cour. C'est plus calme. Eh ben, c'est nouveau, ça. Enfin, si ça vous chante, moi. Coco. Coco, mais t'es folle. Mais pourquoi? Reste pas là. Pourquoi? Pourquoi? Reste pas devant la fenêtre. T'as pensé au tireur d'élite? À travers la fenêtre? Mais alors, il peut tirer à travers les fenêtres. Et voilà. À dormir dans des endroits bizarres, on s'est fait un tour de rein. Il faudra que je vous fasse un petit massage, hein. Ah non, non, surtout pas, non. Ah ben, comme vous voulez. Bon, nous, on va aller petit déjeuner, hein. Et s'il veut pas de mon massage, je vais appeler Monsieur Lee. Ça peut pas durer. J'ai pas dormi la nuit. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Si je sors pour aller voir Monsieur Chang, la police va m'arrêter tout de suite. Ouais, j'y ai pensé. Mais heureusement que je suis là. Bon, ben, je vais tenter une sortie au péril de ma vie. Pour emmener tout ce qu'il faut. Oh, rien. Rassurez-vous, je suis pas rancunière, moi. Cocotte! Cocotte! Non, ils me l'ont pas déjà kidnappé. Cocotte! Le mot de passe. Okinawa, Pearl Harbor. On n'est jamais assez prudent. Entre la police et la mafia chinoise, on doit s'attendre à tout. Tu n'as pas été suivi dans la rue. T'inquiète pas, j'ai pris mes précautions. J'ai pris mes trous, je suis descendu juste avant la fermeture des portes. Après, j'ai pris un taxi jusqu'à Créteil et je suis venu ici en RER. Je comprends pourquoi t'as été si long. Tu vas voir, avec ce que j'ai ramené, il n'y a pas de problème. Toi, tu vas passer inaperçu. Et moi, je vais être à la hauteur, crois-moi, pour recevoir Fu Manchu et sa bande. Regarde. Oh là là, dis-donc, mon Sanson en caïde. Si tu crois que ça m'amuse, c'est à cause de toi si on fait tout ça. Hein. Maintenant, crois-moi, tu peux sortir dans la rue, personne ne te reconnaîtra. Tu peux aller le voir, ton monsieur Chang, et arranger le coup avec lui. C'est bien pour toi que je le fais, hein. Quel culot! Mais pour une bonne sœur, ta mauvaise foi est diabolique. Maman avait raison, tu n'es qu'une ingrate. 22, là, Igor et Karina, je veux pas qu'ils me voient dans cette tenue. Non, viens ici. Ah non, 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 toi tu vas encore me mettre dans le placard, oui. Non. Et avec moi d'ailleurs. Oh. Allez, rentre vite. Rentre. Et dès qu'ils sont dans le loft, on sort en douce. T'as compris? Allez, rouge, le commissaire qui rapplique. Aïe, 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 la mère de Nîmes maintenant. Oh là là, cerné de toutes parts. Oh, oh là là. Allez, remets-toi, cocotte. Il faut affronter le danger en face. Amen. Oh. Attendez, ma sœur, ne partez pas. Oh, Santa Maria. Faites qu'il ne soit pas venu pour m'arrêter. Je promets de brûler 50 cierges si vous intercédez en ma faveur. Hein? Il ne sera pas dit que vous serez venu pour rien. Ça y est, ils sont sa carte. Hein? Tenez, ma sœur, voilà pour vos bonnes œuvres.
Au revoir. Bon, Santa Maria, on va dire 10 cierges, hein, ça suffira. Après tout, hein, c'est moi qui ai fait le plus gros du boulot. Non. Toi, mon bonhomme, il y a quelque chose qui te tracasse. Hein? Oui, je suis pas content. Votre fils m'a encore gagné toutes mes billes. Vous savez, celle que vous avez retrouvée, moi, je suis presque sûr qu'il triche. Oh, Igor, tu peux pas l'accuser comme ça. Écoute, je lui poserai la question. Avec moi, il peut pas me mentir. Alors, en attendant de mener cette délicate enquête au sein même de ma famille, eh bien, je vais aller me relaxer et vider ma tête pendant au moins une heure. Voilà, c'est ça. Allons-y. Jean, pourquoi tu te caches? Non, je me cache parce que je voulais pas que Karina et surtout son client me voient habillé comme ça. Ça fait mauvaise impression, tu comprends? Alors, pourquoi tu te déguises comme ça? Pourquoi? Parce que c'est Tati Cocotte qui m'a dit que je faisais des modés, que je faisais pas dans le vent. Alors, pour lui faire plaisir, je me suis habillé comme ça. Bah, dis donc, elle a de drôle de goût, Tati Cocotte. Tu sais, on dirait un truand, comme on voit dans les vieux films. Ah bah, tant mieux. Enfin, je veux dire, tant mieux que tu penses comme moi. Bonjour, mon petit garçon. Je suis le spécialiste qu'on a appelé pour Monsieur Le Mercier. Entrez, je vais le chercher. Merci. Jean-Jean? Tu m'expliqueras. Oui, d'accord. En attendant, tu le vires et tu lui dis que je suis pas là. Et après, tu montes dans ta chambre et tu bouges pas. Hein? Bah, en fait, je me suis trompée. Il était là, mais là, il est plus là. Ah, tant pis. Dis-lui bien que je reviendrai. Ah, ça m'a fait du bien au cervical. C'était un peu coincé tout à l'heure, mais... Ah, bah, je suis ravie, alors. Alors, à demain, comme d'habitude, à demain. Merci. Ah, oh, vous êtes rentrée, Tati Cocotte? Mais vous êtes rentrée dans les ordres, c'est nouveau, ça? Eh oui, ma chère Karina, ça m'a pris subitement une vocation tardive. Je vous expliquerai. Dites, c'est une de vos parentes? Presque, c'est la sœur de... De la congrégation du Sacré-Cœur d'Abidjan. Oh, elle ne m'avait pas vue depuis des années. C'est pourquoi elle a l'air si surprise, ma chère enfant. Écoutez, je comprends pas très bien, là. Tout à l'heure, vous sortiez bien d'ici. Oui. Enfin, non. Au dernier moment, je n'ai pas osé sonner. J'avais trop peur de leur faire un choc à tous. D'ailleurs, j'ai eu raison. Regardez dans quel état d'émotion ça met la chère petite de me revoir. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser à vos retrouvailles. Ma chère Karina, au revoir à demain. Au revoir à demain. Ma sœur, au plaisir. Allez en paix, mon fils. Merci. Et que Dieu nous garde tous. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Hein? J'ai perdu un bouton. Oh là 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 là! Monsieur Chang est fou furieux. Il n'a pas cru à un mot de mon histoire. Il nous donne 24 heures pour lui ramener les perles, sinon il nous envoie ses sbires. C'est déjà fait. Il y a un Chinois qui est venu ici, j'ai juste eu le temps de me cacher. Oh! Oh! Et en plus, le commissaire m'a vu en bonne sœur. Oh ben ça y est, je suis repéré maintenant. Mais alors pourquoi ils t'ont pas arrêté? Parce qu'il veut se servir de moi pour le conduire à Chang. Comme mouton, comme on dit. Oh là là. Mais pour prendre les perles, il aurait dû avoir un mandat de perquisition. Oh là là, ça c'est sûrement un ripou qui a voulu garder les perles pour lui. Ah ben voilà autre chose. Si maintenant on peut même plus compter sur la police, c'est à désespérer d'être honnête. Oh, oh mon chouchon, oh, protège-moi. Hé hey, Karina, pourquoi Jean-Jean il a encore dormi dans la salle de bain? Ça, c'est une de ces marottes mystérieuses. Il paraît que l'air y est plus pur, mais à mon avis, tu vois, c'est ta petite cocotte qui est là-dessous. Résultat, il a le dos en compote. Mince, j'ai oublié mon sac de sport. Oh, mais dépêche-toi, tu vas être en retard. Brouille, hein? Ah, bonjour, mademoiselle Karina. Vous savez, je suis déjà venue hier. Ah oui, je sais, c'est gentil d'être venu. Vraiment, c'est formidable. Monsieur Le Mercier a vraiment besoin de vous. Il a le dos en piteux état. Ne vous inquiétez pas, j'y vais arranger tout ça. Merci, moi, faut que je vous laisse. Je suis en retard. À tout à l'heure, hein. Jean, vous avez une visite. Allez, pas de chinoiserie. Allez, avance, entrez, je vous en prie. Pardon. Ah. Ça y est, il est revenu. Je lui ai prouvé qu'à Le Mercier, faut pas lui marcher sur les pieds. De toute façon, il n'y a pas le choix. Alors, autant les affronter tout de suite. Bon.
J'espère que j'aurai pas à m'en servir. À nous deux, on gaillère. Ah, monsieur le Mercier, je suppose. Tout juste. Et quel sujet? On m'a dit que vous aviez quelques problèmes. Je crois que je peux les arranger. Ah ben, ça m'étonnerait. Puis, c'est pas la peine de sortir votre attirail, hein. Ça m'impressionne pas. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, je l'avais remarqué tout de suite. Au niveau de votre estomac, vous avez l'air un peu chargé. T'as tout compris. Un conseil. Tu t'écrases. Tu piges. Je pige, mais à mon avis, vous risquez de le regretter. Des menaces? Non, des certitudes. Croyant mon expérience, cela risque de vous créer des complications. Il peut se passer des choses terribles dans votre dos. Merci, Dieu. Mais il y a tes copains qui me font pas peur. Hier, je peur de rien, moi. Et si c'est de l'argent qu'ils veulent, ils n'ont pas un sou. T'as compris? Mais je ne vous ai rien demandé. Ben, ça vaut mieux. C'est que... Une échappée belle, hein? Allez, hop. Ah, vous tombez bien. Jean Le Mercier, le grand-père d'Igor. Ah, bonjour. Ah, ben, je vois qu'Igor ne m'aurait pas menti, ça. Vous êtes fantaisiste, vous, hein? Possible, monsieur le commissaire. Mais Igor ne vous a certainement pas dit que je m'occupais aussi des intérêts de la famille. Ah. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, oui, oui. Vous voulez récupérer vos billes, c'est ça? Ben, j'avoue, vous avez devant vous un policier déshonoré. Et oui, Igor avait raison, mon fils a péché. Alors je suis venu m'excuser et vous rapporter ces billes. Tenez. Les billes d'Igor? Ben oui, celles qu'il avait cachées dans le piano. Ah oh, mais oui, mais je les reconnais. C'est moi qui lui en ai fait cadeau. Ah. Je vous présente, monsieur le commissaire, ma sœur. Ah oui, mais ça, je savais qu'elle était sœur, mais je ne savais pas que c'était votre sœur. Ah, non, mon costume de bonne sœur, non, mais c'est une blague que je fais à mon frère. Oh, vous savez, on est resté très gamin dans la famille, hein? Oh, c'est tellement rare de voir des familles, on s'amuse, surtout de nos jours. Mes 100 francs. Ah bien, bon, ne vous inquiétez pas, hein, grâce à vous, j'ai pu acheter 10 cierges pour Santa Maria. Oh, c'est très bien, c'est très bien. Dites, vous savez que je pourrais vous arrêter tous les deux? Pourquoi? Eh oui, vous, pour port illégal d'habits religieux en dehors des périodes de carnaval, et vous, pour port illégal de sales cheveux. Elle est bonne. Il est drôle, ce commissaire. Je suis un bout d'endrasse. Le commissaire m'a dit que vous l'avez fait une mise en scène formidable pour récupérer les billes d'Igor. Et alors, il fallait s'amuser un peu. Quoi? Je réponds. Alors pourquoi t'as pas voulu me les donner, ces billes? Parce qu'elles étaient tristes. Allô? Celles que je t'ai offertes, elles sont beaucoup plus gaies, non? N'empêche que j'étais le seul à en avoir des billes noires comme ça à l'école. Heureusement. Je suis vraiment désolée. Alors? Alors, ça y est, ça a marché comme sur des roulettes. Monsieur Chang a payé le prix fort, et en plus... Il s'est même excusé. Oh. Grâce à qui? Grâce à moi. Il est foutu, là. Mais toche à son tueur, t'as vu? Allez. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? C'était Monsieur Lee. Il m'a dit que vous l'avez renvoyé brutalement en le menaçant. Mais pourquoi il vous a fait peur, Jean? C'est l'acupuncteur le plus doux que je connaisse.